l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. Bon alors les gars, déjà, présentez-vous, qui êtes-vous ? Salut, bonjour. Salut Flo. Moi c'est Tristan, j'ai 30 ans. Tu les fais pas ? C'est gentil. j'ai un diplôme d'ingé, j'ai travaillé 4 ans dans l'industrie auto. Et puis voilà, on a monté Bicol il y a quelques mois. L'année dernière. J'ai 28 ans, je m'appelle Cédric, j'ai fait 9 ans, je suis un prototypiste moto sur Annecy. J'avais une expérience dans la restauration de voitures anciennes et j'ai rencontré Tristan il y a 4-5 ans en arrière. On s'est rencontré dans un garage, en fait on est deux passionnés de véhicules vintage, moto, voiture. Et dans ce garage, bah, du coup on bricolait sur des bécanes et un jour on s'est dit l'avenir demain, si on peut plus rouler avec ces bécanes là, comment on va faire en ville et tout. Et on s'est dit bah, tout cet univers qui nous tient à cœur, on va essayer de le transposer sur un vélo électrique, comme ça on va avoir vraiment un produit qui sera racé et puis qui va être efficace en ville. Donc il est devenu Bicol. Bicol. Il y a eu un peu de chemin entre ce qu'il y a là et l'origine. Ouais. Bon, alors il faut savoir que nous on n'habite pas à la campagne, on est dans une agglomération de 200 000 habitants. Rouler en ville avec une Harley bruyante, tu peux le faire quand tu habites à l'aimant. Ouais, par exemple. Par exemple, mais c'est vrai quoi, quand t'es en centre-ville et que tu veux te déplacer au quotidien, démarrer la moto, ça fait chier les voisins. C'est un petit peu compliqué, ouais. Ouais. Donc la solution d'électrique était toute faite du coup pour ça. Ouais, c'était pas une évidence hein, dès le départ. Nous, on avait vraiment envie de construire un deux roues qui nous ressemblait et mettre le plus gros moteur possible. Et puis du coup, on a regardé l'énorme Euro 5, on s'est dit ah ouais, mais en fait, il y aura plus de moteur dans Exactement. Quelques années. Donc soit on continue à rouler avec nos vieilles bécanes, soit on prend le virage qui se fait de plus en plus présent aujourd'hui quoi. Ouais. Du coup on a voulu faire une moto super puissante et puis en fait t'as une énorme batterie et puis t'as pas tant de puissance que ça, t'as pas d'autonomie, ça coûte très cher. Je crois que c'est le fait que ça coûte très cher, on s'est dit en fait ça ferait pas sens de créer un véhicule qu'on pourrait même pas nous s'acheter quoi. Ouais mais c'est vrai, il y a de ça aussi. Et donc le vélo s'est profilé petit à petit comme ça comme la solution. Ouais, pour son côté pratique, léger, tu mets dans le coffre de la voiture, tu l'as en ville, dans un box, ouais. Tu prends pas la tête du stationnement. C'est ça. Tu peux le trimballer partout, quoi, au final. Ouais, tu le manipules facilement. Et puis... Donc, présentez-nous un petit peu la bête. Le Bicol, c'est la contraction de bike et de motorcycle. Déjà. Déjà, pour poser les bases. Et non pas de gueule. Ou de bagel. Le bagel. Et du coup, le design, bah, il est tombé assez simplement, finalement. On s'est inspiré de tout ce qu'on avait autour, de ce qui nous... Voilà, notre sensibilité sur les bécanes, ce cadre-là qui descend, et puis cette boucle en porte-à-porte. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on peut voir en niveau prépa avec cette boucle arrière qui remonte et celle qui est posée dessus. Exactement. Cette boucle fermée, qui est faite en une seule pièce, d'ailleurs. Ouais, tu m'en avais parlé, c'est fait en une seule pièce, et d'ailleurs, on va en parler, c'est fabriqué où, du coup ? Parce que c'est important, ouais. De savoir où sont fabriquées les choses. Le cadre et la sellerie sont fabriqués sur Annecy, enfin, très proche, dans un rayon de 60 km. Donc on a un cintreur à Chambéry, l'usinage qui est fait dans notre bâtiment. Donc entièrement français ? Entièrement français, ouais. De A à Z, l'assemblage, évidemment. On a des batteries qui viennent de Taïwan, ça on avait forcément. Pas le choix. Ouais, ça, c'est dans tous les cas, tout ce qui est électronique, tu peux pas forcément faire ça en France. Ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. On a vraiment fait toute la partie conception du cadre et le design qui nous est propre. Et puis après, on est parti sur des éléments standards en se disant bah, plus on va monter des pièces standards et plus longtemps le vélo pourra durer, être et entretenu, mettre un dérailleur que tu trouves dans le commerce, une chaîne traditionnelle. Tu peux aller le faire entretenir dans un garage de vélo par exemple. Un garage de vélo. Un garage de vélo. J'avais pas le nom en tête, du coup j'ai dit le garage de vélo. En fait, on est vraiment allé chercher des pièces de vélo qui nous faisaient penser à des pièces de moto. Donc tu as la fourche par exemple à l'avant, c'est une double T. Ouais. Tu vas retrouver ça sur des fourches de DH. Mais sur un vélo traditionnel, le T supérieur,
c'est oui. léger, donc t'en as pas forcément besoin. Par contre, quand tu viens au guidon du bicycle, bah, dès que tu poses les mains sur le guidon, t'as ces double T qui apparaissent, et de suite, avec la batterie en réservoir. En lieu et place du réservoir, t'as une batterie, et du coup, t'as l'impression que tu pars faire de la moto. Alors, bah, pour avoir roulé toute l'après-midi ensemble du coup avec, c'est vraiment cette sensation-là qu'on a, c'est d'être sur une moto hyper légère, ouais. sans bruit, sans rien, forcément c'est de l'électrique, mais t'as cette sensation de liberté que t'as pas forcément avec le vélo. Ouais. Où t'es obligé de pédaler, donc t'as cet effort qui est derrière. Là, il faut pédaler quand même, mais t'es très vite assisté par l'électrique. Et donc t'es en mi-chemin entre le vélo ouais. et la moto. Exactement. Qui est hyper plaisant, quoi. On essaie de prendre le meilleur des deux avec des gros pneus pour y avoir une bonne tenue de route. Et puis pareil, cet effet esthétique imposant. Ouais. Qui rappelle, bah là, on est quasiment sur du 16 pouces moto. Donc voilà, clairement. Donc on pourrait mettre du pneu de moto dessus. On pourrait mettre du pneu de moto dessus. Ça, c'est bien aussi. D'ailleurs, ceux-là sont homologués 50 km/h, 150 kg de charge. Enfin, c'est des structures cyclomoteurs. Ouais. C'est des pneus que tu vas retrouver sur des cyclos. Et puis après, bah, pour les accessoires et la selle, bah, clairement, on retrouve quelque chose qui est vraiment inspiré de la culture custom. Des prépas, ce phare de moto ouais. jaune. C'est voilà, très réussi en tout cas. Les garde-boue englobants, bah merci, ça fait plaisir. On s'est vraiment éclaté cet après-midi ouais. avec. Et au niveau du freinage aussi, on peut en parler. On est sur double. Enfin, frein à disque avant-arrière. Ouais, frein à disque avant-arrière. Qui freine bien. Double piston. Voilà. Moteur sur la roue arrière. Moteur roue arrière, tout à fait. Et au niveau technique, vitesse de pointe, autonomie. Alors limité à 25 km/h. Forcément. Comme tous les vélos à assistance électrique. 250 watts. Après, nous, on a fait le choix de partir sur une motorisation plus élevée et en la bridant pour avoir quelque chose qui dure le plus longtemps. Forcément, 250 watts qui fait 250 ouais. watts, bah, tu l'exploites toujours à 100%. Là, on est quelque chose qui est un peu sous-exploité, mais au moins, il y a de la réserve de couple. Ouais. Comme on l'a fait cet après-midi, on est parti dans les champs, bah, on t'a mis une version. Oui. Off-road, et puis ça donne la banane quoi. Parce que c'est clair. C'est une machine à plaisir en fait. Je pensais pas avoir autant de plaisir sur un vélo électrique et je me suis fendu la gueule toute l'après-midi. Toute l'équipe s'est marrée. C'était ça qui était. Bah, c'est cool. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créé en fait. Hein. Pour nous, déjà de base, le premier c'était vraiment pour prendre du plaisir et retrouver ces sensations. Ouais. Et puis cette esthétique qui nous tient à cœur. Et puis en fait, quand les gens nous disent qu'ils prennent aussi du plaisir comme nous, c'est la meilleure des récompenses quoi. On l'a fait vraiment pour ça. Puis pour le coup, vous êtes aussi motard que nous. Oui. Après, on a des gens qui viennent nous voir qui le sont ou d'autres qui le sont pas, mais c'est cool d'avoir un retour de motard. Oui. Parce que ça reste un vélo, donc forcément, et tu vas pas faire l'autoroute avec, c'est pas fait pour faire ouais. des routes de montagne, des cols, etc. Sûr. Par contre, pour une utilisation urbaine, et puis entre copains, tu te fais une sortie c'est dans l'après-midi. Là, on s'est vraiment éclaté. J'ai perdu ma phrase. Attends, j'avais le truc juste avant pour rebondir. Elle est tombée juste là. Ça t'a rappelé ta jeunesse quand tu faisais du BMX avec les copains. Oui, bah, y avait ça quand on en parlait sur la route en roulant tous les deux. Tu disais que la dernière fois que tu t'es fait plaisir avec un vélo et moi ouais. aussi, c'était quand on était gamin avec nos BMX. Exactement. Et c'est exactement ça que la dernière fois que je suis monté sur un vélo, j'ai pas pris de plaisir. Alors que là, on a pris un panard parce qu'on a redécouvert ouais, une autre liberté, une autre exactement. Façon de faire du vélo. Et le fait d'être assisté, ben, on va plus loin au final. On va plus loin. Parce que là où on est allé en vélo tout à l'heure, j'aurais jamais fait avec les bicycles, j'aurais jamais fait en vélo en temps normal. Ouais. Et là, ben, t'as une montée, ben, la montée tu la sens pas. Et tu peux aller nos limites, enfin, hormis à la capacité de. Ouais. Après, c'est assez léger, ça fait moins de 30 kilos. Donc, Y a ça aussi qui est intéressant. Ouais. Tu vois, on avait sorti le Ciao, c'est une bête qui fait 50 kilos. Quand t'es en panne d'essence, tu sais ce que t'as du mal à pédaler. Là, t'as les vitesses derrière, tu peux faire une côte quand même. C'est ça qui est intéressant aussi, on va parler, c'est qu'il y a des vitesses. Ouais, comme sur un vélo classique, il y a 5 vitesses, donc tu peux mouliner comme tu peux y aller plus fort. Et c'est intéressant. On va parler forcément du tarif de ces vélos électriques. Parce que fabriqués en France, fabriqués par des artisans. Ça va faire mal. Le prix va piquer, attention. Le cintreur, le soudeur, le peintre. Le sellier, tout. Ouais, en fait, c'est un gros objectif pour nous d'atteindre un prix marché. Oui, simplement. Forcément. Parce que faire un vélo et que personne puisse se l'acheter, ça n'a aucun sens. Du coup, nous, on a une version originale, la première qu'on peut retrouver sur le site www.bicycle.fr. Mm-hmm. Le modèle original commence... On met le lien dans la description de cette vidéo, d'ailleurs. Voilà, en dessous.
À partir de 2500 euros, tu as un bicycle, fourche rigide, petit pneu crampon, pas d'accessoires. Ouais. Tu peux acheter tes accessoires à côté, tu peux venir chez French Monkey Design, te faire poser un phare. Mais vous allez en vendre bientôt, des accessoires sur le site. C'est ça, exactement. En fait, voilà, tu peux acheter ta version originale et puis après, on l'a décliné en un modèle R où tu vas retrouver un petit phare, un petit garde-boue arrière avec un petit feu à LED, celui qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Et jusqu'à la version modèle S. Donc d'une version à l'autre, tu vas passer de 300 Wh de batterie à 600 et jusqu'à 1000 Wh sur le modèle S, qui lui est équipé de garde-boue, de son phare jaune avec sa petite ampoule à LED, le garde-boue avant, le garde-boue arrière, des beaux pneus à flanc blanc ou noir, ouais. Une petite selle matelassée, une selle à croisillon, tu peux choisir la couleur. T'as du Donc marron, finalement, c'est, ça reste customisable comme une bécane dans nos ateliers. Quoi, on a fait un vélo café racer, en fait. On a même créé un configurateur sur le site où tu peux t'amuser à partir de la version originale à rajouter tous ça, les c'est accessoires. Génial. Ça, c'est top. Et du coup, chacun peut créer un peu son bicycle à son image. Quoi. Ah ouais. Donc... Du coup, le prix. Oui. Voilà, la version originale est à 2500 euros. Et il y a donc le modèle R à 2999. Ça monte jusqu'à 3499 pour un modèle S. Mmh. Aujourd'hui, celui-ci. Ouais, exactement. Aujourd'hui, ils sont en précommande. Il y a une remise de 200 euros pour des vélos qu'on va livrer fin d'été 2021. D'accord. Et après, quand les vélos seront en stock, on sera à 3499. 1000 Wh, autonomie 90 km. Un peu plus gros possible. Voilà. On peut encore faire au-dessus s'il y a besoin. Oui, mais déjà, tout est possible. Voilà, on a commencé par ces trois versions-là. Et voilà, du modèle original au modèle S. D'accord. Bah, écoutez, les gars, en tout cas, merci d'être venus nous présenter votre marque et vos vélos. On s'est bien marrés aujourd'hui. Ouais. Et... Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était top. Bah, c'était un sacré plaisir. Et puis, en tant que follower de French Monkeys, moi, ça me fait plaisir. L'envers du décor aussi. Et puis on se recontacte dans tous les cas quand vous avez des nouveautés. Ah, on essaiera tout ça. Et puis... À suivre très bientôt. C'était Florian des French Monkeys et puis il y avait toute l'équipe. Il y avait Sharaf qui était là aussi. Ouais. Et Grégor. Il y avait Grégor qui était là pour les photos. Grégor VF. On vous met aussi le lien de son Instagram dans la description de la vidéo. Il y avait Thibaut qui était derrière la caméra et puis qui était aussi sur les biclounes. Tinder de Thibaut. Il y avait Cédric. Voilà, Bicycle Europe sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Voilà, et il y avait Tristan. On vous met le lien dans tous les cas dans la description, vous pouvez suivre tout le monde. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. C'est le Piaggio qui a gagné les 24 heures de Léman, ça. Non ? Les 24 heures de Léman, ouais. Ouais ? Ouais. Grave. Ouais. Très connu dans le milieu des Piaggio. On est à Léman chez les French Monkeys. Oui, oui, tout à fait. Avec Thierry. Avec Thierry. Je suis présent. Avec Jean-Patrick. Oui, enchanté. Avec Jean-Pascal. Chanté. Bon, les gars, c'est Jean-Philippe. On a fait une heure et demie de route pour vous amener des bicycles. Exactement. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. On va en découdre un peu là. Je pense qu'il y en a un. On est combien ? 1, 2, 3, 4. Quatre. Ouais, y a la mob, on la compte pas. Ouah,
Oh non, pour accompagner c'est bien, un peu comme une basse avec la guitare. Qu'est-ce qu'on fait? C'est celui qui distribue les gourdes, tu sais, au public. Qu'est-ce qu'on fait? On ride? Bah on est là pour comparer nos vites, non? Qu'est-ce qu'on fait, Florian? Je crois qu'on va les rider. On va faire la course. Ouais, là ça part vite.